pensais que c'est un match important, comme tous les matchs, mais voilà, on a à cœur de réitérer la performance qu'on a fait face à Lorient et devant notre public, donc on est chez nous, donc prendre le plus de points et après garder ce qu'on a fait de bien face à Lille. Après, je pense qu'on méritait mieux. Donc voilà, on a redoublé d'efforts cette semaine et on espère prendre les 3 points. C'est bien beau de jouer, tout le monde prend du plaisir. Moi, le premier, on arrive à faire des bonnes choses, mais voilà, il faut réussir à tenir un résultat, chose qu'on a du mal à faire cette année. Mais voilà, quand on est sur le terrain, qu'on mène 1-0, qu'il y a 1-1, je l'ai dit, si on ne peut pas gagner le match, il faut savoir ne pas le perdre. Et ça passe par la mentalité de chacun, se parler, se bouger quand il faut se bouger, se dire des choses, et ça passera par là. Je ne me fais pas de soucis parce qu'on a une équipe vraiment qui a envie d'atteindre ses objectifs. Et voilà, moi je suis avec eux tous les jours et on avait vraiment une équipe de guerriers. Hier, un exemple, hier on fait un entraînement, c'est des jeux et personne n'aime perdre. Donc ça part de là, déjà des entraînements où tu as une bonne mentalité, où personne n'aime perdre, c'est déjà très bien. Pour l'instant, c'est une équipe qui joue notre championnat, donc ça va être un match comme ça au couteau. Donc voilà, si on met tous les ingrédients que je dis depuis tout à l'heure, je pense que ça devrait passer. Après, devant nos supporters et dans notre stade, on ne doit pas laisser de points. Je pense que Bordeaux ont regardé nos matchs, donc ils ne vont pas nous prendre à la légère. Et après, pour nous, voilà, essayer de refaire la même prestation, parce que je pense que dans le jeu, on a réussi à faire ce qu'on faisait de bien un peu l'année dernière. Mais aussi, défensivement, je voyais que tous les gars avaient faim, et voilà, et quand tout le monde fait les efforts pour tout le monde, au final, tu as quelque chose de bien. Ouais, très bien, très bien. J'ai un petit peu peur après le match de Marseille, où à la fin du match, c'était plus la fatigue, j'avais pas enchaîné 90 minutes depuis 2 mois. Et le lendemain, au réveil, nickel, donc là, tout va bien pour l'instant. Je suis juste bourrin, mais franchement, j'ai très bien bossé avec le préparateur physique, avec Pascal et Mathieu. Donc, physiquement, non, j'étais prêt. Après, c'est plus l'intensité des matchs qui était compliquée au début, mais quand t'enchaînes, ça revient vite. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression, mais il faut regarder ce qu'on a fait de moins bien sur ces deux matchs-là à l'extérieur. Surtout quand on prend des buts à Lille sur des contres, à l'extérieur, t'as pas le droit de prendre des contres. Donc c'est dommageable, mais voilà, faut pas gamberger et on a un match important dimanche. Et comme j'ai dit, on a vraiment à cœur de gagner à domicile.